Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog du chill, du cocooning et de lecture évidemment. Alors je ne sais pas si ça se verra, si ça s'entendra, mais je filme avec un nouvel appareil photo. Oui, victoire! Donc je n'ai pas encore acheté de micro qui aille en fait avec l'appareil photo, je pense que je le demanderai à Noël hein, parce que vous doutez bien qu'un appareil photo c'est déjà un investissement. J'espère que le son sera bien, voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop mal aux oreilles. Donc je me suis dit que pour inaugurer cet appareil photo dont je suis déjà plus que satisfaite de la qualité vraiment de photo, et ben j'allais vous tourner un petit vlog. C'est vraiment principalement motivé par le fait que j'ai commencé une lecture que je repousse depuis un petit moment et que je pense que ça m'aidera de lire en fait en vlog. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une grosse pavasse et je me dis que si je vlog, ça me motivera à le lire pour que j'ai des choses à vous en dire. Donc j'ai revêtu une tenue du chill avec des petites chaussettes d'hiver, un petit pantalon pampan et un petit sweat marqué Reading is my sport, ce qui me correspond très très bien. Donc je pense qu'on peut commencer comme ça et que ça va être un vlog tout calme. Il pleut, nous sommes, je ne vous ai même pas dit quand, nous sommes le 26 septembre, il est actuellement 12h37, je suis seule, je lis depuis que je suis réveillée. Donc je me dis que en termes de situation, de contexte, on est pas mal pour un petit vlog. Du coup, ce matin, j'ai terminé Babel Corp de Scott Rengen. Je vous spoil un petit peu mon bilan du Challenge Magus, mais ça me permettra du coup d'en faire un bilan un peu moins long, si je vous en parle maintenant. Qui a été une bonne lecture, c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, mais ça a été quand même une bonne lecture dans le sens où il y a des très bonnes idées, il y a des personnages qui sont intéressants, qui sont attachants, mais pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites incohérences, quelques manques de crédibilité, notamment au niveau scientifique, et puis des tournures de phrases qui m'ont un peu chiffonné. Alors ça peut être dû à la traduction, c'est peut-être sûrement dû à la traduction d'ailleurs, mais par exemple des personnages qui se connaissent depuis 10 jours et qui se disent l'un de l'autre qu'ils se sont toujours considérés comme des frères et sœurs. Bah, toujours, abuse pas non plus, ça fait juste 10 jours que vous connaissez. Donc voilà, c'est juste l'utilisation de certains mots des fois où j'étais un peu en mode non. Des incohérences au niveau scientifique, par exemple des personnages qui vont se parler depuis la Terre sur un vaisseau spatial à plusieurs millions de kilomètres, sans pression. Je veux dire, en termes de relativité, de temps, c'est impossible. C'est clairement impossible. Alors je veux bien la technologie, tout ça, d'accord, mais ça change pas vraiment le fondement du temps. Voilà, qu'on se mette d'accord. Mais d'une façon générale, je trouvais que ça avait cassé un peu des codes. Il y a plusieurs retournements de situation qui m'ont beaucoup étonnée. Donc c'est vraiment un point fort du roman. La plume est très simple, peut-être un peu trop simple même. Mais encore une fois, on peut aussi parler de la traduction. Je sais pas, c'est possible. Mais du coup, ça se lit très bien. C'est-à-dire que hier matin, j'étais page 140 et que là, je l'ai terminé, fait 500 pages quand même. Hein. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il se lit très très bien. Donc voilà, je pense que on va continuer directement sur ma nouvelle lecture parce que c'est ce qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo. J'ai commencé La Bête, le préré de l'oranger de Samantha Shannon. Alors, je vais être honnête avec vous, je commence un peu sur un coup de tête. Et je pense que c'est un peu la meilleure façon de commencer ce roman. Dans le sens où en fait, ça fait un an bientôt qu'il est dans ma pile à lire, qu'il prend toute la place sur mes étagères parce que clairement, voilà, on est sur une pavasse. Il me fallait, je pense, un déclic pour me lancer dedans. Parce qu'il fait quand même près de 1000 pages et que c'est de la fantasy, c'est quand même un univers assez dense, d'après ce que j'ai compris, avec beaucoup de personnages. Donc faut se lancer quoi. Donc c'est le moment. Voilà, nous sommes un samedi, je vais avoir du temps pour lire ce week-end. Merveilleux. Parce que depuis le début de la... C'est mon chat qui veut sortir sur le balcon. Depuis le début du mois de septembre en fait, depuis que je suis rentrée en école, j'ai pas de temps pour lire, c'est une catastrophe. Vraiment, j'ai mis littéralement 2 semaines à lire 2 romans. Chacun, hein, donc 2 semaines pour l'un et 2 semaines pour l'autre. Ça me ressemble pas vraiment, c'est pas comme je fonctionne habituellement. Me lancer là-dedans, c'est peut-être pas la meilleure des idées en ce moment, mais en même temps, je me dis que vraiment ce week-end, j'ai pas beaucoup de travail. Donc à part quelques exercices en chimie, j'ai pas grand-chose à faire que de lire Le Préré de l'Oranger. Alors du coup, je viens de le commencer, donc j'ai lu 41 pages, c'est-à-dire 2 chapitres. Voilà, on est sur une immense avancée. Et ce que je vais faire, comme on est quand même sur une grosse pavasse et qu'on est sur aussi une période où j'ai beaucoup de travail, je vais m'imposer entre guillemets un certain nombre de pages à lire tous les jours. C'est-à-dire que le soir dans mon lit avec ma liseuse s'il faut, après avoir terminé de travailler, la journée pendant mes pauses, pendant ma pause déj, je vais m'imposer de lire un certain nombre de pages. Je n'ai pas encore décidé combien, sachant que la semaine prochaine je vais peut-être avoir un peu moins de cours que d'habitude, donc ce sera parfait. Mais je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui et demain.
et je vous en parlerai de façon régulière comme je le fais d'habitude pour mes vlogs lecture. Mon dernier vlog lecture un peu de ce genre là, il remonte quand même parce que c'était pendant le confinement, ça devait être au mois d'avril. Donc ça me fait trop plaisir en fait de vous refaire quand même un vlog lecture comme ça qui va me suivre pendant plusieurs jours et surtout pendant une lecture en particulier. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première séquence parce que je crois que ça fait déjà 7 minutes. C'est magnifique d'avoir un retour caméra, je vous jure que ça change ma vie. Je vous retrouve pour un petit update. Il est 16h56, toujours le même jour, hein, et toujours samedi. Je me suis mise devant ma petite bibliothèque que vous voyez d'habitude en fond de mes vidéos. Parce que là du coup j'ai mon trépied, donc comme j'ai un retour caméra et un trépied, je peux filmer autre part que là où je filme habituellement. Et ça c'est fou. Donc on a mes petits Alice Osman, les Robin Hobb. Là ça va vous spoiler mon prochain book haul, mais vous verrez ça plus tard. La passe miroir, les Pierre Bottero, les Jean-Claude Nourleva, là il y a mon étagère manga. Enfin bref, j'aime beaucoup cette petite bibliothèque, il y a vraiment mes sagas chouchou, mes auteurs chouchou. Donc je me suis dit que c'était pas mal de me mettre devant. En plus, là où il y a mon poster de la passe miroir, je reviens pour vous parler évidemment de ce qui nous intéresse dans ce vlog, c'est-à-dire le Prieuré de l'Oranger. Alors, vous m'avez vu tout à l'heure dans une petite séquence mettre ces petits post-it objectifs. Donc je les ai mis en fait en fonction du travail que j'allais avoir dans la semaine, c'est-à-dire les jours où j'ai plus cours, les jours où j'ai moins cours. Typiquement le jeudi je n'ai que cours d'anglais le matin cette semaine, donc je pense que j'aurai du temps pour lire, donc j'ai mis un petit peu plus de pages pour le jeudi et j'ai mis surtout pas mal de pages pour aujourd'hui et demain. Aujourd'hui je suis censée arriver à la page 195, donc ça correspond à ça, et en fait je suis déjà à la page 105, donc il me reste 90 pages à lire pour aujourd'hui et plus si affinité, c'est à dire que si je dépasse mes objectifs quotidiens, tant mieux, je le finirai plus vite. Donc je suis page 105, je commence à avoir un petit avis sur ce début en tout cas. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même un univers qui est assez complexe, un roman qui est assez complexe parce que on est dans un univers, un monde qui est totalement inédit, qui a été entièrement construit par l'auteur, hein, c'est de la fantasy. Et dans ce monde du coup on a une belle carte au début, je vais essayer de vous la montrer. Donc on a une carte là, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, et une derrière dans le même style, donc il y a quand même pas mal de provinces et tout, c'est vraiment un monde qui a l'air hyper riche et passionnant. Et du coup dans ces mondes là, on va suivre plusieurs personnages différents et au début on nous balance vraiment dans cette intrigue, dans cet univers avec ces personnages, sans nous en dire vraiment beaucoup sur eux. Donc on est un peu en mode, attends, c'est qui lui? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'il fait là? Quelle est cette légende? Quelle est... Voilà, donc en fait on est un peu perdu et je pense que c'est normal, hein, forcément. À la fin du roman il y a un glossaire et une liste de tous les personnages avec une petite description. J'aime bien en fait la direction que ça prend, j'aime bien les personnages pour le moment, on a découvert déjà pas mal. Hein. Ce que j'aime le plus, je pense, peut-être pas le plus, mais ce que j'aime beaucoup en tout cas, c'est la plume de l'auteur. La traduction du coup, forcément la traduction doit être bonne si j'arrive à autant accrocher. Je trouve que c'est très imagé comme plume, elle a une plume qui est très descriptive, très poétique, et j'aime vraiment beaucoup, j'accroche vraiment à cette plume. Donc je pense que c'est ce qui me fait lire assez vite, parce que finalement 100 pages, je trouve que c'est déjà pas mal. Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. En fait c'est marrant parce que ce livre, j'ai vraiment vu plein d'avis très divergents. J'ai vu autant des gens qui ont adoré, qui ont eu des coups de cœur, qui étaient leur livre préféré de 2019 ou 2020, que d'autres personnes qui au contraire étaient un peu en mode bof quoi. Voilà. Et je sais en particulier que les gens étaient très déçus de la fin, qui apparemment serait bâclée. Donc j'attends de voir et de me faire un avis évidemment sur ce roman. Je vais essayer dans la mesure du possible de ne pas vous spoiler évidemment dans cette vidéo, hein, c'est clairement pas le but. Le but c'est plus de vous donner soit envie, soit pas envie de le lire. Voilà, si ça peut être vous donner envie de le lire, ce sera pour le mieux. Hein. Mais voilà, du coup j'ai hâte de me faire mon propre avis en fait dessus parce que c'est vrai que j'ai vu vraiment passer de tous les avis possibles et imaginables dessus. Du coup je vais m'arrêter très vite, je vais aller continuer de boire mon petit thé. Il pleut toujours autant, bah disons que c'est vraiment la journée parfaite pour tourner et pour lire quoi, voilà. Évidemment je ne vous ai pas encore fait de résumé en fait
de cette lecture, mais ça va arriver. C'est-à-dire que je ne vais pas vous laisser toute une vidéo de vlog sur un roman sans vous dire de quoi ça parle. Hein. Vraiment que je me lance dedans et que je sois un petit peu immergée dedans pour réussir à bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu des trames dans tous les sens, qu'il y a plein d'intrigues différentes, avec plein de personnages qui vont se croiser, s'entrecroiser, et du coup je pense qu'il va y avoir plusieurs histoires en une, donc je pense que ce sera plus simple de vous expliquer l'histoire quand j'aurai plus avancé. Je crois que c'est tout, je pense que là je vais aller lire et je pense que je vais regarder après l'épisode 15 de la saison 7 de 600. Vous avez vu tout à l'heure dans une séquence que j'avais regardé l'épisode 14, enfin vous ne savez pas mais moi je vous le dis, c'était l'épisode 14 de la saison 7 de 600. Et du coup ce sera l'avant-dernier épisode de la série, puisque du coup la série se termine à la saison 7, là c'est la toute dernière saison qui sort et qui a 16 épisodes dedans. Et j'avoue que le 14e était vraiment cool, ce qui change un petit peu du reste de la saison. En fait c'est pas si mal, mais je trouve que depuis la saison 5 ça s'essouffle clairement. Autant les saisons 2, 3, 4 je trouvais qu'elles se répétaient pas mal, et à partir de la 5 je trouve que c'est vraiment parti un peu en cacahuète. Donc je continue à regarder parce que j'aime bien en fait l'ambiance, j'aime bien les personnages et j'ai envie de savoir quel va être leur sort final. Mais là j'avoue que l'épisode 14 c'était vraiment très cool. Donc j'ai envie de regarder le 15 qui est déjà sorti. Donc je pense que je vais aller faire ça, pas maintenant mais dans la soirée. Coucou tout le monde, bon je ne vous ai pas repris hier soir au final parce que je suis allée me coucher assez tôt et je me suis endormie assez tôt au final. Vous allez voir qu'en fait j'ai pas atteint l'objectif d'hier d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'étais fatiguée, j'ai eu une semaine quand même assez chargée, donc j'ai fait un bon gros dodo. On est du coup dimanche 27 septembre et il est actuellement 8h59. Donc oui, pour moi, me réveiller à 8h30 du matin, c'est avoir fait un gros dodo. Hein. Mais du coup, je viens vous reparler un petit peu du prioré de l'oranger pendant mon petit déj. Vous avez le droit à ma tasse de muesli avec de la compote à la vanille ainsi qu'un petit jus de pomme. Voilà. Et je vous l'avais dit hier, je voulais atteindre la page 195 hier du coup. Quand je me suis couchée, j'étais page 133 et j'étais méga au taquet, c'est-à-dire je me suis dit ok là je vais atteindre la page 250, comme ça j'ai lu le quart du livre et tout. Pas du tout en fait, pas du tout. En fait ça a été l'inverse, c'est-à-dire que j'ai lu moins que l'objectif quotidien et je suis arrivée à la page 165. Je suis toute seule. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me poser et lire tout mon saoul si je le veux et ça va être très cool. Alors je sais pas comment est l'image ce matin, je vois pas très bien sur le retour caméra, mais du coup hier soir j'ai regardé un petit peu les séquences que j'avais tournées du coup hier pour voir si c'était pas trop mal au niveau du son et l'image. L'image est pas exceptionnelle, mais je pense que ça s'explique par le fait que il fait hyper moche, hein. Je pense que vous pouvez le voir, il fait très très couvert, vous voyez même pas les montagnes. C'est triste parce qu'elles sont toutes blanches, du coup c'est beau. Mais du coup il fait vraiment très moche. J'espère que la qualité de la vidéo sera plutôt bonne. Je vais aller manger mon petit déj. Je pense que je vais avancer sur ma liseuse pendant ce temps. Au final j'ai bien regardé l'épisode 15 de la saison 7 de The 100 hier soir. Qui était pas si mal. En fait je trouve juste que cette saison est complètement what the fuck. C'est-à-dire que on avait vraiment perdu la crédibilité depuis longtemps. Mais quand même à ce point-là... Voilà, mais j'ai bien aimé le traitement des personnages en fait dans les deux derniers épisodes. Donc voilà, j'ai quand même hâte en fait de voir cet épisode 16 qui marquera la fin de la série. Par contre, je me demande vraiment comment ils vont réussir à tout terminer en 40 quelques minutes. Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours le matin mais il est 11h45. Je vous avoue que j'ai passé une matinée la plus chill possible, c'est à dire que je n'ai fait que regarder des vidéos booktube. Du coup j'ai pas beaucoup lu, mais comme vous avez pu le voir j'ai quand même atteint mon objectif d'hier. Donc j'ai pu enlever le premier post-it objectif, j'ai de la buée sur mes lunettes. Je viens de prendre ma douche alors du coup ça fait de la buée. Bref. Et du coup maintenant que j'ai atteint ce premier objectif, hein, du coup je suis arrivée à la page 195, je vais pouvoir vous faire un petit résumé. Du coup, dans le prioré de l'oranger, nous allons suivre majoritairement, en tout cas pour ce qui est des 200 premières pages,
quatre points de vue différents. On se trouve dans un monde de fantasy qui me semble assez étendu, assez vaste, qui est découpé un petit peu selon les quatre points cardinaux. On s'intéresse vraiment principalement à l'ouest et à l'est, qui se font en fait un peu la guerre parce que plusieurs centaines d'années auparavant, il y a eu toute une histoire avec une guerre avec des dragons, et majoritairement avec un dragon qui s'appelle le Sang, qui était le plus grand des dragons, qui a été vaincu en fait par apparemment une humaine. Ça diffère selon les légendes par rapport à si vous venez du sud, de l'ouest, de l'est, du nord, donc c'est assez trouble, hein, ça reste une légende. Et du coup en fait, l'ouest et l'est ne sont plus en bon terme parce que l'est vénère les dragons. Et du coup, parmi les quatre points de vue qu'on va suivre, il y en a deux qui font partie du peuple de l'Ouest. On a vraiment l'ambivalence en fait de point de vue de ce côté-là. On a quatre portraits de personnages très intéressants à suivre que je vais vous expliquer maintenant. Alors, du côté de l'Ouest, on va suivre principalement une servante de la reine qui s'appelle Éade, qui est une jeune femme qui apparemment viendrait des pays du Sud, mais qui aurait été envoyée en fait en mission par une sorte d'institution pour du coup protéger la reine de l'Ouest. Donc on suit Éade et on comprend pas trop en fait quel est son but ultime à part que de protéger la reine. On sait pas trop ce qu'elle est, mais elle m'intrigue beaucoup. Du côté de l'Ouest, on suit aussi un jeune homme qui s'appelle Lot et qui apparemment est le meilleur ami de la reine, mais qui a été un petit peu évincé, un petit peu mis de côté par un vieux monsieur un peu aigri qui justement trouve que la relation entre la reine et lui n'est pas normal et il voudrait plutôt que la reine se marie avec quelqu'un de son rang. Du coup, il envoie en mission en fait Lot dans le pays de l'Est, et du coup on va suivre Lot dans cette expédition avec son meilleur ami qui s'appelle Kit. Et du côté de l'Est, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Tané, qui est elle une orpheline qui a été recueillie par une certaine maison dans laquelle elle poursuit un apprentissage pour devenir dragonnière. Du coup on va suivre Tané un petit peu dans son apprentissage auprès de cette institution, de cette maison. Et en fait, elle va devoir réaliser certaines épreuves pour accéder au titre de dragonnière. Donc pour le moment, on sait à peu près que ça d'elle. Mais il y a quand même un petit peu des mystères qui planent autour d'elle. C'est même elle qui commence le récit. Donc pareil, elle m'intrigue beaucoup. Et le dernier point de vue qu'on va suivre du coup du côté de l'Est, c'est le point de vue de Nicklaes. Je sais pas si ça se dit comme ça, Nicklaes, je sais pas. Qui est du coup un homme qui a été exilé de l'ouest pour aller dans l'est, et qui vit sur l'île d'Orizima, sur laquelle il est anatomiste, donc il donne des cours, il a des élèves, tout ça, et bon, tout le monde l'appelle le docteur Rousse, il est quand même plutôt bien vu, sauf qu'en fait il va se retrouver mêlé à une affaire un peu trouble, parce que à cause de Tané, du coup l'autre jeune femme de l'est dont on suit le point de vue, il va se retrouver avec un ennemi de l'Est chez lui, puisqu'il y a un homme de l'Ouest qui va s'enfuir de son côté pour aller dans l'Est et tenter de convaincre en gros le prince de créer une alliance politique entre l'Ouest et l'Est, qui est complètement diffamatoire dans cet univers. Je pense que ce résumé était totalement what the fuck, vous avez rien compris, mais c'est vrai qu'en fait, comme il y a quand même beaucoup de personnages et beaucoup de trames différentes, c'est compliqué en fait d'être clair par rapport à ce qui s'y passe. Hein. Je pense que vous avez une idée globale de ce à quoi ça peut ressembler avec ce résumé. Contrairement à ce que je pensais, ce que je redoutais, je trouve que ça se comprend quand même très bien. C'est-à-dire qu'au tout début, les 4 premiers chapitres, on est un peu en mode « what the fuck ?». Mais finalement, je trouve que l'auteur a rendu ça plutôt compréhensible dans le sens que elle a vraiment défini ses premières trames dès le début, et construit les personnages de façon aléatoire comme ça, l'un après l'autre. Et du coup ça reste compréhensible parce que dès qu'on se retrouve avec un tel ou un tel, on sait où est-ce qu'il va, on sait ce qu'il est en train de faire et on sait quel est son but. Donc globalement je trouve que ça reste très compréhensible. L'univers est vraiment très intéressant, je trouve qu'il y a une très bonne mythologie derrière. On n'en sait pas encore énormément, mais je pense que c'est vraiment un univers qui a été pensé à l'avance, c'est un univers qui est très dense, qui est vraiment intéressant. Donc pour le moment je suis vraiment, vraiment ravie de ma lecture et je vais y retourner de ce pas. Ah si, juste une dernière chose, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui je compte atteindre la page 401 selon mon petit objectif journalier que je me suis fixé hier. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est maintenant 16h. Je vous avoue que j'ai pas mal lu hein, du coup cet après-midi, c'était cool, mais j'ai pas fait que ça. Encore une fois, j'ai regardé des vidéos et tout. Je vous avoue que je passe un petit peu de la lecture en vidéo et j'alterne, voilà. Mais j'ai dépassé le quart du bouquin, donc j'en suis là.
Voilà, je suis très fière de mon avancée, j'ai bientôt atteint le tiers même. J'en suis page 264, au milieu d'un chapitre d'ailleurs, accessoirement, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai plusieurs choses à vous en dire, donc c'est pour ça que je reprends la caméra. Du coup, comme je vous le disais hier, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, ça a vraiment pas changé, hein. Ça reste dans la même veine que ce que j'avais lu hier. Et je vous avoue que vraiment j'apprécie énormément cette lecture. Parce que je pense qu'à force de l'appréhender et à force de m'être dit bon, faut pas que je parte avec trop d'espoir et trop d'attente non plus, bah finalement, bah j'aime bien. Voilà. Alors du coup, ce qui me semble génial dans ce bouquin, c'est que il y a... Mais t'arrêtes, oui ? T'arrêtes ? Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de diversité de représentation dans les personnages. Notamment au niveau des couleurs de peau par exemple. Il y a une remarque au début du roman où c'est écrit que l'auteur s'est inspiré de certaines croyances, certains cultes, certains peuples, mais sans vouloir retranscrire la réalité de notre monde. C'est-à-dire qu'elle s'est inspirée, qu'elle a pris des petits éléments culturels de plein de peuples et qu'elle les a mis dans son bouquin. Et clairement ça se ressent. Et je trouve ça hyper cool en fait d'avoir fait ça, parce que ça crée une société et des peuples qui sont hyper représentatifs de la race humaine et je trouve ça génial. Autre point que je trouve hyper positif dans justement cette question de diversité, c'est que la sexualité des personnages n'est jamais remise en cause en fait. T'as des personnages qui sont homosexuels et ça ne pose absolument aucun problème. C'est tout à fait normal et voilà, ça pose pas de problème quoi. Et je trouve ça génial. Et j'ai presque plus de batterie donc je vais me dépêcher. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il y a pas mal de complots politiques et tout, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc j'y retourne et je vais faire charger ma caméra. Alors je n'avais pas prévu de vous reprendre comme ça ce soir dans mon lit, mais il est actuellement 23h08 et j'ai atteint mon objectif quotidien. Ça c'est fou. Voilà, donc je suis page 401, chapitre 31, et je suis pas encore trop fatiguée, donc je pense que je vais encore avancer un petit peu histoire de prendre de l'avance pour demain, parce que du coup demain je vais en cours, donc j'aurai un petit peu moins de temps pour lire, hein, évidemment. Je voulais juste vous dire une chose avant d'oublier, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce bouquin, je pense, c'est que la multitude de points de vue nous donne à nous un point de vue très omniscient sur la situation, c'est-à-dire qu'il y a des choses que certains personnages savent et pas d'autres. Et nous on sait tout en fait, on sait tout ce que savent les personnages, ce qui est logique. J'aime beaucoup cette dimension un petit peu omnisciente qui est donnée au lecteur. Et je trouve que ça renforce encore plus mon appréciation du roman. Voilà. Après je voudrais quand même dire que je trouve qu'il n'est pas parfait non plus. Dans le sens où il y a certaines scènes qui manquent pour moi un petit peu de sentiment. Il y a des scènes où clairement l'auteur ne fait pas de cadeau à ses personnages, ça faut le savoir. Et j'apprécierais un petit peu plus de sentiments, pas que ça tombe comme ça, voilà. Mais en même temps, c'est bien fait quand même. Donc, je peux pas totalement lui reprocher non plus. Donc voilà. Et sachez aussi que j'ai une énorme contracture dans le bras gauche, à force de porter cette espèce de pavasse. Voilà. Donc là, je me suis mise sur ma liseuse et c'est parti. Une dernière chose, big up à tous ces personnages féminins. Tellement badass dans ce roman, ça fait tellement plaisir. On a une place qui est donnée aux femmes vraiment hyper importante et qui change de la fantasy classique où on voit souvent plutôt des hommes mis en avant. Là on est quand même sur un bouquin qui nous présente un rénome en particulier, toute une lignée de femmes qui ont dirigé un pays entier et sur lesquelles il y a des légendes qui sont basées. Et puis autour d'elles, beaucoup 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 de personnages féminins hyper badass, hyper classe. Ça fait tellement plaisir. Merci Samantha Shannon. Coucou, je reviens juste une minute pour vous dire que là je vais partir en cours. On est le lundi matin, donc 27 je crois, non 28 peut-être. Et j'ai dépassé la moitié du prévu de l'oranger. Je viens d'atteindre la troisième partie et je suis page 487. Je me suis arrêtée page 427 hier, donc là j'ai lu 60 pages ce matin. Et je dois atteindre la page 533 aujourd'hui, donc je pense que ça va le faire. Je vous retrouve ce soir. Coucou, du coup nous sommes le soir maintenant, enfin il est 18h10. Je voulais juste vous dire que effectivement j'ai bien atteint en fait mon objectif du jour, puisque je l'ai atteint pendant la journée en fait. Ça va vouloir dire que du coup ce soir je vais un petit peu me consacrer à mes cours et sûrement regarder une petite série, mais je vais surtout quand même pouvoir avancer, prendre de l'avance sur les pages de demain et peut-être le terminer plus tôt que prévu. Nous verrons bien. Hello tout le monde!
Bon, ça fait plusieurs jours qu'on avait un temps pourri et là, je suis clairement éblouie par le soleil. Voilà, donc je ne me vois même pas dans le retour caméra. De toute façon, j'ai l'habitude de ne pas avoir de retour caméra, vous me direz, donc c'est pas vraiment un problème. On est donc mardi matin, je ne sais toujours pas le combien, hein, le 29. Il est à peu près 9h25, je dirais. Je vais pas tarder à partir en cours. Mais je voulais vous dire qu'en fait, j'ai déjà atteint mon objectif du jour. Parce que du coup, hier, je l'avais déjà bien entamé et ce matin, j'étais page 605. Il fallait que j'arrive page 635. Et là, je suis page 643. Donc, bah, j'ai déjà atteint mon objectif du jour. Ça va vouloir dire que je vais pouvoir m'avancer sur celui de demain. Et peut-être que j'arriverai à le terminer jeudi. En tout cas, j'aime toujours autant. Et ce que j'aime particulièrement, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, c'est que vraiment je trouve que c'est un univers qui est hyper bien construit, mais pas que dans sa géographie, aussi dans comment il est pensé. C'est-à-dire que par exemple, il y a des dragons dans cet univers, mais il n'y a pas qu'un seul type de dragon. Il y a plusieurs espèces de dragons, il y a des dragons de feu, des dragons d'eau, certains sont gentils, certains sont méchants. Il y a plusieurs espèces qui sont plus ou moins bien vues. Il y a aussi un système de magie qui est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment génial parce que bah, c'est pas toujours le cas. Ça peut être des fois des systèmes de magie qui sont très classiques. Et là, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Et puis, c'est trop bien quoi. Je veux dire, la diversité des personnages est juste dingue. J'aime trop, j'aime toujours autant en fait. Voilà, depuis le début, j'aime toujours autant ma lecture et je suis vraiment à fond dedans. Par contre, je sais pas si vous allez le voir. Je pense que oui. Toute l'encre bleue du titre est en train de partir. D'ailleurs, j'étais en train de voir ça sur mes mains. Voilà, tristesse. Bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment un gros problème. Je sais qu'il s'appelle l'Angers, vous allez me dire. Bref, je vais me préparer pour repartir en cours et puis je vous retrouve certainement ce soir en rentrant de cours. Hello tout le monde, je crois que je vous ai pas repris depuis hier matin. Donc là on est mercredi soir, donc le 30, cette fois-ci je sais. Il est 19h05, je vous ai pas pris hier soir parce que pour tout vous dire en fait, en ce moment c'est pas non plus la grande forme. C'est vrai qu'on essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes quand on est sur les réseaux. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas forcément la grande forme en ce moment parce que... Donc je vous l'avais expliqué en vidéo, je sais plus quand, mais au mois de peut-être avril-mai, que je rentrais en école d'ingénieur en septembre et je vous expliquais que pour mon école, il fallait que je trouve une alternance. Sauf que actuellement on est le 30 septembre et que je n'ai toujours pas d'entreprise. Heureusement, plus ou moins, le gouvernement a prolongé en fait la durée de recherche. Parce que normalement je crois que c'est 3 mois après la rentrée et là c'est passé à 6 mois parce qu'avec le Covid c'est très compliqué de trouver. Sauf que ça m'angoisse énormément parce qu'en fait on est déjà fin septembre et qu'on va pas se mentir, les entreprises elles vont pas prendre un alternant en décembre, ça a pas de sens. Donc je sais très bien que plus ça avance et moins j'ai de chance de trouver. Et en fait hier j'ai eu un gros faux espoir avec une entreprise qui m'avait dit qu'elle était intéressée par mon profil etc. Et en fait, il s'est avéré que quand je les ai au téléphone, la mission qu'ils me proposaient, c'était pas du tout ce que je recherchais. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas du tout ce que je recherchais. Et du coup, moi, j'ai mis beaucoup d'espoir dans cette entreprise. Et quand j'ai su que ça allait pas se faire, vous voyez, l'espoir, on est toujours dans une espèce de mood hyper bien et tout. Et là, on appelle, on comprend qu'en fait, ça va pas pouvoir se faire. On se prend un mur dans la figure qui est assez horrible. Bref, du coup j'ai passé une soirée assez terrible. Une fois rentrée des cours, j'ai passé en fait 3 heures à envoyer des candidatures. Heureusement ma maman m'a aidée à faire des recherches et tout. On a essayé de trouver des contacts, des choses comme ça. C'est extrêmement difficile parce que je veux vraiment travailler dans un domaine qui est assez spécifique en fait. L'imprimerie c'est hyper spécifique. Et avec le Covid, il y a plein d'entreprises qui ont les capacités financières d'accueillir un alternant. Et c'est très compliqué, sachant que si j'ai pas d'entreprise, je me fais virer de mon école. Ça veut dire que je peux pas continuer ma scolarité. Et je vais faire quoi, moi? Bref, on va arrêter dans ce bad mood. Mais c'est vrai que du coup, hier, j'étais pas bien du tout, du tout. Donc je vous ai pas parlé, ça servait à rien. Et aujourd'hui, j'ai peut-être une nouvelle piste. Mais encore une fois, en fait, je veux pas mettre trop d'espoir dedans. Parce que si ça marche pas, ça va me faire comme hier. Et je pense qu'un deuxième faux espoir comme ça, ça va être compliqué à gérer. Bref, à la base, ce vlog est fait pour parler du prairie de l'Oranger. Donc on va s'y mettre. Hier, donc mardi soir, j'ai
atteint l'objectif de mercredi, donc d'aujourd'hui. Donc j'ai pris officiellement un jour d'avance dans mes objectifs quotidiens. Je suis très fière de moi. Parce que bah, mine de rien, je l'ai commencé samedi, on est mercredi, et il ne me reste que cette petite partie. Donc c'est trop cool, vraiment, je suis trop contente. Là j'en suis à la page 807. Je suis censée atteindre la page 865 je crois aujourd'hui, parce que du coup je suis en train de lire ce que j'étais censée lire demain. J'avais prévu que je dise que je lise plus que les autres jours, donc mon objectif d'aujourd'hui était plus long que ceux des autres jours. Voilà. Du coup j'ai déjà lu une bonne partie hein, de mon objectif d'aujourd'hui, hein, de demain, vous m'avez comprise. Et il me reste donc une soixantaine de pages. Je ne sais pas si j'arriverai à les lire parce que je suis explosée de fatigue, parce que du coup à cause de toutes ces péripéties, je dors extrêmement mal, hein, voilà, je suis très très angoissée, je dors très très mal. Du coup je pense que je vais aller faire dodo tôt ce soir. Voilà, donc je vais quand même essayer de valider mon objectif du jour, d'atteindre la page 865. Comme ça il me restera un peu moins de 100 pages pour demain. Voilà, ce qui devrait se faire largement puisque du coup demain on sera vraiment jeudi et ce sera vraiment mon jour où j'ai que anglais. Je vais retourner à ma lecture que j'adore. Vraiment je suis trop contente de lire ce beau roman que je suis absolument certaine de garder et de relire parce que vraiment je passe un excellent moment de lecture. Parce que bah voilà, je tourne un vlog donc autant faire un petit unboxing, ça peut être cool. Vous entendez peut-être du violoncelle derrière, c'est ma soeur qui travaille donc voilà, je ne peux pas faire tellement autrement. Il est 11h30 du matin. Alors, si je me trompe pas, je peux toujours me tromper mais normalement c'est ça. J'avais participé à la campagne Ulule de Lucille Chaponnet, donc qui est une auteure auto-éditée qui a écrit La Cité des Sangs Purs et j'avais lu le premier tome, je crois que c'était au moment de l'annonce du confinement, donc dans tous les cas c'était début mars. Et elle a sorti son tome 2 du coup entre temps et j'ai participé à sa campagne Ulule pour récupérer un tome 1 en papier et un tome 2 en papier. Donc j'ouvre ça tout de suite et je vous montre. J'ai arraché l'enveloppe mais salement, vraiment. Une catastrophe. Donc normalement il y a le tome 1 et le tome 2 et je vois déjà des petits goodies. Donc tout d'abord un petit porte-clés à l'effigie de la couverture du premier tome qui est trop mignon. Genre c'est beaucoup trop mimes, ça fait vraiment effet en fait carnet, donc il y a des petites pages blanches et tout, je kiffe. Ensuite, oh je prends le tome 2 tout d'abord. Donc le tome 2 de La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet qui s'appelle D'ombre et de sang, que j'ai vraiment très hâte de lire. J'avais lu le tome 1 du coup comme je vous l'ai dit et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers ma chronique de blog de ce premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé, je trouvais que c'était vraiment sympa. C'est de la fantasy avec des personnages hyper intéressants et franchement j'avais trop hâte de lire le tome 2 parce que vraiment la fin du tome 1, oh my god. Et du coup voilà le tome 1 que je n'avais, ouf, il y a plein de petites choses à l'intérieur, je vais vous montrer ça après. Donc le tome 1 je l'avais eu en service de presse de la part de Lucille et elle m'avait envoyé que la version numérique, donc voilà c'était l'occasion d'avoir le tome 1 en papier et franchement mais alors la qualité, ils sont magnifiques, vraiment ils sont absolument magnifiques. Je suis absolument ravie. Et du coup à l'intérieur, c'est dédicacé, trop chou. Il y a plein de petites illustrations aussi. Et en plus ces illustrations viennent de chez Juliette de Lisley Art, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois hein, clairement sur la chaîne, donc je vous montre ça tout de suite. On a tout d'abord un marque-page, donc à l'effigie des deux personnages principaux féminins du roman. Donc si je ne dis pas de bêtises, je suis nulle en prénom, mais Célnia et Mio Dancel. Voilà, donc je trouve hyper hyper joli, avec derrière du coup le titre du livre et les réseaux de Lucille. Du coup une magnifique carte de la ville de Inwin, qui est du coup la ville dans laquelle se passe l'intrigue, magnifique, absolument sublime. Des petits autocollants à l'effigie des personnages principaux, j'adore, vraiment. Et ensuite des mini marque-pages, ça c'est un format que Juliette aime beaucoup sur sa boutique et que du coup j'aime beaucoup aussi. Donc un premier mini marque-page à l'effigie de la couverture du premier tome, un mini marque-page à l'effigie de la couverture du deuxième tome, un mini marque-page qui présente du coup à nouveau la ville de Inwin,
enfin un mini marque-page avec du coup Céline. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour de tout ce que contenait ce colis. Je vérifie. Hein, c'est bien ça. Eh bien, je suis absolument ravie d'avoir reçu tout ça. J'ai hâte de lire le tome 2. Je pense qu'il fera pas long feu dans ma pile à lire puisque vraiment c'était très qualitatif comme, comme univers, comme récit, comme plume, comme personnage. Donc si vous voulez découvrir tout ça, je vous mets, comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos ma chronique du tome 1 et je vous mettrai aussi les réseaux de Lucille, comme ça vous pouvez aller la suivre directement. C'est une fille absolument adorable que je connais aussi par le biais de l'œil de lecteur puisqu'elle est aussi chroniqueuse pour l'œil. Vraiment, je l'adore. Donc, allez la suivre, vraiment, elle fait un super travail et j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 2. Du coup, j'ai même pas encore regardé ses petites dédicaces, mais c'est d'être hyper chou parce que Lucille est hyper chou. Trop mips, donc j'ai les deux tomes qui sont dédicacés. Je suis trop contente. Bref, je vais retourner à mon film parce que du coup je l'ai pas terminé. C'est plutôt pas mal pour le moment, c'est pas transcendant mais c'est pas mal, j'aime bien. C'est juste assez, comment dire, il n'y a pas beaucoup de rebondissements incroyables. Globalement c'est un peu une enquête lambda. Mais bon, il y a des bons personnages et puis je suis bon public, il y a des bons décors, des bonnes musiques. Donc on est pas mal. Charlie. Du coup dans mes vidéos en général vous voyez Pacha et Simba et là bah, c'est le chat de ma soeur Charlie. Coucou, tu dis bonjour? Coucou coucou. Je l'embête trop, elle veut partir et je voulais juste vous la présenter. Voilà. Enfin, pour terminer ce vlog de la mort, voilà, pour tout vous dire, je suis en train de le monter là, on est samedi après-midi. Et comment est-ce que je peux autant parler? C'est fou. Bref, donc je vais essayer d'expédier un maximum cette dernière séquence pour éviter que le vlog ne soit trop long non plus. Donc c'est parti, je vais vous refaire un gros bilan de ce que j'en ai pensé. Donc j'ai même fait une note sur mon téléphone pour aller le plus vite possible, c'est parti. Donc d'une façon générale, Le Prairie de l'Oranger, ça a été une excellente lecture. Vraiment j'ai adoré ce roman, mais je tiens à préciser que je pense que j'ai été particulièrement dans un bon mood pour le lire. J'ai été dans un mood dans lequel j'avais besoin de me sentir bien dans une lecture. J'avais besoin d'être dans un monde imaginaire, d'être dans un monde qui me fasse sortir du monde réel. Je vous ai expliqué pourquoi en début de semaine. Du coup, je pense que j'ai été vraiment dans la meilleure disposition possible pour le lire. Donc je pense que particulièrement je l'ai aimé parce que aussi j'étais dans le mood qui m'a fait l'aimer. Du coup, c'est un roman qui est très très bien écrit, qui est très très bien traduit, je pense que c'est vraiment à souligner. Il a des défauts, il a clairement des défauts, je peux pas le nier, ça a pas été un coup de cœur d'ailleurs, c'est vraiment juste une très bonne lecture mais pas un coup de cœur. Parce que je pense que ça manque d'approfondissement sur pas mal de points. Je pense que l'auteur aurait pu découper son histoire en deux volumes, histoire de pouvoir développer un petit peu plus certaines choses. J'aime bien le format de one shot, mais du coup ça entraîne un manque d'approfondissement de pas mal de points et c'est dommage. Mais pour autant ça reste quand même assez bien développé, hein. Ça reste un roman de 1000 pages dans lequel il se passe quand même pas mal de choses, donc c'est pas non plus nul en termes d'approfondissement, il y a des choses, mais ça aurait pu être encore mieux je pense. Deuxième point que j'ai adoré dans ce roman, je vous l'ai dit, c'est vraiment la diversité et le traitement des personnages qui est absolument dingue, qui casse les codes de la fantasy classique et ça c'est extrêmement appréciable. C'est un roman qui est hyper intelligent, hyper intelligemment écrit et pensé. Si vous avez peur, que vous l'avez dans votre pile à lire depuis super longtemps et que vous n'arrivez pas à vous lancer dedans, tout ce que je peux vous dire c'est que finalement je trouve que la complexité est pas si immense que ça. Ça reste un roman young adulte qui effectivement a un univers très vaste dans lequel il faut placer un contexte et des personnages, donc évidemment il y a des choses à intégrer mais c'est pas insurmontable, c'est loin d'être insurmontable. Si c'est ça qui vous freine et c'est ça qui vous fait peur, honnêtement n'ayez pas peur parce que ça se lit tout seul et que c'est pas si compliqué que ça. On va passer en fait à la toute dernière partie dont je ne vous ai pas encore parlé et qui pour moi est quand même un point négatif du roman. Je le savais, on me l'avait dit, la fin est bâclée, je suis d'accord avec tous les avis que j'ai pu voir dessus. On attend pendant quoi 60 chapitres une bataille finale qui va arriver. La bataille finale, je ne rigole pas, elle fait 2 chapitres. Je suis arrivée à la fin du bouquin, il me restait 50 pages, j'avais pas encore eu la bataille finale, j'étais en mode ah ouais d'accord, donc en fait la bataille était tellement expédiée, j'étais d'accord, donc en fait on attend un truc et ça se passe
comme ça. Donc bon, je pense que ça participe aussi au fait que je dise que ça manque d'approfondissement. Je pense que la bataille, elle aurait pu être chouette si seulement il y avait eu de l'approfondissement dans l'action, dans la façon dont c'est fait et tout. Là, on a juste l'impression qu'ils arrivent, que en deux coups d'épée, c'est fini quoi. J'étais là, d'accord. Bref, donc ça, c'est vraiment un point négatif à retenir sur ce roman. Mais il en vaut quand même la peine. C'est pas parce que la fin est expédiée qu'il perd de sa valeur. Ça reste quand même un très bon roman. Et je pense que réellement, c'est pas la fin qui va tout changer. Il y a quand même une fin, il y a quand même des choses à dire dessus. Donc c'est pas complètement nul non plus, mais c'est juste beaucoup trop expédié. Donc on est vraiment sur une très très bonne lecture de mon côté. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les sujets qu'aborde l'auteur à travers son roman. J'ai beaucoup aimé les libertés qu'elle a prises par rapport au code de la fantasy classique. J'y pense aussi, mon résumé était clairement claqué au sol. Là j'y repense parce que je viens de le monter, mais c'est vraiment pourri. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le petit i ainsi que dans la barre d'infos deux vidéos de deux autres booktubeurs qui ont parlé du Priory de l'Oranger. Tout d'abord Quentin de la chaîne Cornelius, qui lui a un avis beaucoup plus mitigé que le mien, donc ça peut être intéressant d'aller voir sa chronique vidéo, je pense. Et une autre vidéo, c'est celle de Mathieu, du coin de Mathieu, qui a bien aimé ce roman et dont je trouve l'analyse hyper intéressante. Donc je vous mets les deux vidéos dans le petit et dans la barre d'infos, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir diverses analyses et divers points de vue sur ce roman, et surtout diverses façons d'amener le résumé, parce que vraiment, mon résumé, il est claqué au sol. Clairement. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller terminer de monter la vidéo, enfin, parce qu'elle me prend vraiment du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue pour vous. Dites-moi en commentaire si vraiment les vlogs de cette durée-là, c'est pas possible. J'essaierai de faire attention. En fait, je me suis même pas rendu compte que je parlais autant. Je suis trop contente d'avoir enfin sorti cette pavasse de ma pile à lire. Et je vous encourage vraiment à le découvrir à votre tour, parce que je pense qu'il vaut vraiment la peine qu'on s'attarde dessus. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très très belles lectures, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !